16 000 emplois supprimés dans la métallurgie d'ici à 1979. Souhaite le patronat, il y en aura plus de 20 000 dans la sidérurgie, disent les syndicats. La Lorraine est la région la plus touchée. Le président Carter déclare la guerre au plutonium. La France poursuivra quand même son programme nucléaire. Les explications de Thierry de Montbrial. Crise politique en Israël. Le premier ministre Rabin propose sa démission. André Semama d'Israël nous explique quels sont ses successeurs possibles. La météo du week-end pascal, mauvais temps sur toute la France, pluie, neige et verglas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'aurais préféré vous parler tout de suite des départs pour ce week-end pascal. Malheureusement, l'actualité en a décidé autrement. Les difficultés de la sidérurgie sont connues aujourd'hui, je crois, de tous les Français. Depuis quelque temps déjà, nous savions que les travailleurs de ce secteur étaient menacés de douloureux sacrifices. On avait annoncé des chiffres, ils sont maintenant officiels. Le patronat les a précisés aujourd'hui au cours des négociations qu'il avait avec les 5 syndicats représentant cette corporation. 16 000 emplois supprimés d'ici à 1979, dont 3 000 personnes licenciées qu'il faudra reconvertir et un peu plus de 2 000 travailleurs immigrés auxquels on va demander de retourner dans leur pays. C'est la Lorraine, la région la plus touchée et dans une moindre mesure la région du nord de la France. Ce laminoir près de Thionville en Moselle fonctionne depuis de nombreux mois à 60% de ses capacités seulement. Et les ouvriers de la plupart des usines d'acier ne travaillaient plus cet an dernier que 32 heures par semaine. Cela situe l'ampleur de la crise dans la sidérurgie, une crise qui se traduit dans les chiffres. La production d'acier brut qui avait dépassé 27 millions de tonnes en 1974 n'a été que de 23 millions de tonnes en 1976. Cette crise n'est pas seulement française, toute l'Europe est touchée, c'est la conséquence du ralentissement de l'économie mondiale et aussi de la concurrence sévère de l'acier japonais. Pour les patrons de la sidérurgie française, il n'y a pas 36 solutions. Pour s'en sortir, il faut que les usines deviennent plus rentables. Mais rentabiliser, cela veut dire bien sûr réduire les effectifs et donc licencier du personnel. Seulement, les 16 000 suppressions d'emplois annoncées aujourd'hui représentent 10% des effectifs totaux de la sidérurgie qui s'élève actuellement à 155 000 personnes environ. Ces chiffres situent l'ampleur du problème humain. La crise de l'acier, c'est un problème économique, un problème d'emploi, mais c'est aussi un problème régional. Car sur les 16 000 suppressions d'emplois prévues, 12 500 auront lieu en Lorraine, où la sidérurgie était la mieux implantée. Mais en Lorraine, il sera difficile, voire impossible, de reclasser les travailleurs licenciés, car le chômage y est déjà important. On peut imaginer bien sûr ce que sera la réaction des syndicats, les 5 organisations qui rencontraient donc le patronat cet après-midi s'étaient mises d'accord dès le début de la réunion pour refuser tout licenciement de fait et elles l'avaient dit au patronat dans une déclaration. Il y a quelques instants, elles envisageaient d'ailleurs la suppression des entretiens et l'intervention des pouvoirs publics. Elles viennent d'ailleurs d'adresser une lettre au Premier ministre. Je pense que nous allons pouvoir voir maintenant une réaction de l'un de ces syndicats. Nous allons nous employer donc à faire en sorte que des usines importantes comme Thionville ou Louvroil dans le Nord soient véritablement sauvegardées. Nous n'admettons pas qu'un potentiel aussi riche, aussi important, soit supprimé, soit détruit, et encore moins que les travailleurs soient mis à la porte. Alors nous allons nous employer et nous nous félicitons qu'avec les autres organisations syndicales aujourd'hui, nous ayons pu avancer des points communs. Nous avons été amenés à suspendre les séances, la séance plénière, de manière à ce que nous puissions aller voir les pouvoirs publics et faire en sorte que nous ayons de meilleures conditions pour les négociations par la suite. Alors j'ajoute dans ce dossier que le débat sur la sidérurgie qui a été annoncé il y a quelques jours par le Premier ministre pourrait avoir lieu mardi prochain. Je pense que nous allons maintenant pouvoir connaître une réaction cette fois du côté du patronat qui donc, je vous le rappelle, rencontrait cet après-midi les 5 syndicats de la métallurgie. D'abord vous dire, vous avez parlé de 16 000 licenciements. Il ne s'agit pas de licenciements mais de suppression d'emplois. Et contrairement à ce que vient de dire M. Valli, nous pensons pour notre part que la négociation progresse et s'achemine vers une issue positive. Sur ces 16 000 suppressions d'emplois, pour 13 000, des solutions sont en voie d'être trouvées, notamment une pré-retraite qui assurera aux intéressés 70% de leurs revenus bruts, c'est-à-dire dans la plupart des cas, plus de 80% de leur salaire net. Pour les 3 000 qui subsisteront et qui font problème, les sidérurgistes se sont bien déterminés
à trouver des solutions. Et ces solutions, c'est la mise en place d'un dispositif de formation, la recherche d'implantations industrielles nouvelles et la reconversion vers de nouveaux emplois. En conclusion... On peut donc dire d'ores et déjà, Alain Dumay, c'est une évidence qu'il y a actuellement une véritable polarisation dans le domaine social sur la sidérurgie. Oui, non pas qu'il n'y ait pas d'autres secteurs en crise en France actuellement, il y en a bien d'autres, mais la sidérurgie est le secteur où les problèmes sont les plus graves. Sur le plan social d'abord, à cause du nombre d'emplois concernés, plus de 150 000, et sur le plan financier aussi, parce que les pertes financières de ce secteur en 1976 se sont comptées par milliards de francs. Mais alors quelle sera l'action éventuelle du gouvernement? On a dit à un certain moment que le gouvernement pourrait débloquer des crédits pour la sidérurgie. Oui, alors pour remettre la sidérurgie française d'aplomb, le gouvernement a défini les grandes lignes d'un plan. Et ce plan comporte trois volets. C'est de ce plan dont les syndicats et les patrons de la sidérurgie sont en train de discuter. Les trois volets de ce plan, c'est un volet d'abord industriel. Il s'agit de fermer les usines qui ne sont pas rentables. Un volet financier, il faut remettre les entreprises à flot financièrement. Et un volet social, il s'agit de réduire les effectifs en mettant le moins de monde possible au chômage. Alors la négociation aujourd'hui opposée le patronat au syndicat, en quoi l'État est concerné? Oui, l'État ne peut pas se désintéresser de la sidérurgie française, parce que sans la sidérurgie française, ça serait toute l'industrie française qui serait à la merci de l'étranger pour ses approvisionnements. Mais l'État a déjà prêté beaucoup d'argent à la sidérurgie, et le fait que l'État ait déjà prêté beaucoup d'argent n'a pas empêché les industriels de ce secteur de ne pas voir venir la crise et n'a pas empêché non plus les industriels de ce secteur, leur a pas permis d'éviter la crise. Et c'est au nom de l'emploi de fonds du problème de l'emploi des fonds publics que les syndicats réclament aujourd'hui la nationalisation de la sidérurgie. Alors justement, en quoi la nationalisation pourrait changer quelque chose? Oui, nationaliser ou pas, la sidérurgie de toute façon va coûter cher à la collectivité nationale. Et surtout, elle va peser lourd sur les épaules de Raymond Barre, qui devra, mardi en 8, le 19 avril, répondre au feu roulant des questions d'une part des députés de l'opposition, des députés de la gauche, et aussi des élus de la majorité des régions concernées. Sa tâche ne sera pas facile. Certains des experts qui réfléchissent à Matignon sur le dossier de la sidérurgie lui avaient d'ailleurs conseillé il y a quelques mois de décider sans plus tarder la nationalisation de la sidérurgie, pour prendre en quelque sorte la gauche à contre-pied. Pour le Premier ministre, ce n'était pas la solution, ou bien c'était trop tard, car la France est déjà en campagne électorale. Et ce terrain de bataille électorale n'est certainement pas le meilleur qui soit pour le nouveau gouvernement Barre. Mais en tout cas, l'annonce des décisions patronales dans la sidérurgie risque de durcir le conflit dans un autre secteur. Je veux parler maintenant des dockers. Les dockers qui, vous le savez, ont décidé une grève totale pour aujourd'hui et pour demain samedi. À l'exception du Havre, le mouvement est généralement bien suivi, en particulier à Dunkerque où les dockers sont en grève depuis maintenant 28 jours. Tout a commencé ici le 10 mars devant les cales de ce minéralier japonais affrété par Usinor. Normalement, il faut, au pied de ces portiques, un docker pour guider les manœuvres de déchargement. Usinor, qui considère depuis longtemps que cet emploi est inutile, décide cette fois de s'en passer. La réaction des dockers est immédiate, c'est la grève. Et voilà le troisième port français paralysé depuis un mois. Des centaines de cargos déroutés vers l'étranger, des milliards gaspillés, et aujourd'hui une grève qui s'étend à toute la France. Pour comprendre le conflit, il faut savoir que les relations entre Usinor et les dockers de Dunkerque sont réglementés par un accord valable jusqu'en 1978. Cet accord alloue à Usinor un volant de 88 dockers permanents qui sont ses salariés et qui ne travaillent que pour elle. Au-delà, il faut faire appel aux dockers indépendants, ce que justement Usinor a refusé de faire le 10 mars dernier. Pour le syndicat CGT des dockers, qui a pratiquement le monopole de l'embauche et de la distribution du travail, c'est évidemment une véritable déclaration de guerre et une violation de la loi qui protège la profession. Et ce qui est en cause, c'est non pas un bonhomme, mais c'est la loi du 6 septembre 1947 qui oblige à prendre des dockers pour décharger les navires. Que ce soit pour un bonhomme, pour 100 ou pour 1000, le principe étant remis en cause, c'est donc une lutte au niveau national de la défense de notre profession en tant que docker sur le port. Quelle serait la conséquence en fait? La conséquence, eh bien, ça veut dire que sur chaque quai, on retournerait comme dans le temps, comme il y a 50 ans, on rechercherait des gens dans les bistrots qui traînent un petit peu partout. Le métier de docker, la profession de docker n'existerait plus.
Vous voulez garder votre monopole, finalement. Ce n'est pas un monopole du tout. Un monopole, quand on a le droit d'aller travailler, c'est marqué dans la Constitution. Le seul droit qu'on a, c'est d'aller travailler. Et si on ne va pas travailler, on nous retire notre carte professionnelle. Alors donc, ce n'est pas un monopole. C'est seulement le droit au travail que l'on défend. Pour Usineur, ce n'est pas non plus l'emploi d'un docker qui est en cause. Il s'agit de savoir qui doit avoir la maîtrise des quais de déchargement et surtout du futur quai destiné à l'exportation des tôles d'acier qui est actuellement en construction. Qui y imposera sa loi? Le syndicat, avec ses règles contraignantes et ses salaires élevés, ou bien Usineur, avec ses propres agents et sa propre convention? Vous n'avez pas le droit de vous approprier un quai qui est public, dit le syndicat. C'est dans la convention que vous avez vous-même signée, répond Usineur. Au fond, le problème, si vous voulez, c'est que bien que ce nouveau quai aux aciers ait été prévu dans l'accord précédent de 1975 comme devant utiliser les dockers dans les mêmes conditions que ceux que nous utilisons actuellement sur notre quai aux aciers et sur notre quai minéralier, il apparaît que le syndicat des dockers n'est pas prêt à appliquer ces conditions. Convention contre loi. La bataille juridique devient peu à peu incompréhensible. Reste qu'au fond, les dockers redoutent d'être pris dans un engrenage qui les chasserait de tous les quais portuaires et Usineur tient à faire la démonstration, au moment où elle tend la main à l'État, qu'à Dunkerque aussi elle est capable de fermeté dans sa gestion. J'ajoute que la Fédération de l'Éducation nationale ne participera pas au mouvement de grève prévu par la CGT et la CFDT dans la dernière semaine d'avril. Monsieur André Henry vient de le faire savoir. Il ne faut pas galvauder la grève, dit-il. Monsieur Henry, qui est le secrétaire général de la FEN, regrette de ne pas avoir été consulté. Valéry Giscard d'Estaing passera les vacances de Pâques dans la propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Le président de la République a d'ailleurs quitté Paris en fin d'après-midi. Il a emporté les dossiers qui lui permettront de préparer la conférence qu'il donnera à la télévision sur les deux chaînes TF1 et Antenne 2 mardi. Un dossier, vous le savez, consacré à la politique étrangère. Dans une interview accordée au mensuel Réformé, Valéry Giscard d'Estaing réaffirme qu'il tiendra compte de la volonté des Français, mais qu'il n'a pas l'intention de faire taire les convictions sur lesquelles il a été élu. Il faut mener à bien le redressement économique, dit-il. Ceci est en cours. Pour parvenir à l'unité de la France par la justice, pas besoin de révolution. Il suffit d'avancer sur la voie de l'évolution. Nous sommes sur cette voie, conclut le président de la République. La France devra-t-elle reconsidérer sa politique nucléaire? La question est posée depuis que Jimmy Carter a déclaré hier la guerre au plutonium. Le retraitement des combustibles nucléaires et la technique des surgénérateurs, c'est un peu la spécialité des Français qui ont une certaine avance sur la technologie américaine dans ce domaine. Plusieurs pays d'Europe en font d'ailleurs aujourd'hui la pierre d'achoppement de leur politique énergétique de demain. Officiellement, les États-Unis n'obligeront pas leurs partenaires à les imiter en ce qui concerne le plutonium. C'est d'ailleurs comme cela qu'on l'a compris à Paris, mais dans la pratique, on peut se poser la question, en sera-t-il en fait autrement? Voici le laboratoire du plutonium au centre atomique de Hanford, dans le nord-ouest des États-Unis. Les hommes qui y travaillent préparent le FFTF, la future installation d'essai du réacteur sur-régénérateur prototype, qui fonctionne au plutonium. Elle sera terminée en 1979 et aura coûté plus de 3 milliards de francs. Les Américains sont depuis 1945 avec Clémentine dans le programme des réacteurs atomiques à plutonium. Mais ils ont connu deux très graves échecs, un dans l'Idaho et l'autre près de Détroit, dans le Michigan, où le réacteur Enrico Fermi a carrément fondu. Alors aujourd'hui, les États-Unis ont un retard considérable sur les Français, probablement de l'ordre de 7 ans. Donc, profitant du climat de moralisation actuel du gouvernement américain, le président Jimmy Carter propose, pour éviter la prolifération nucléaire, de ne plus employer le plutonium dans les domaines civils. En d'autres termes, puisque les Américains ne pourront probablement pas rattraper les Français sur le marché international des surrégénérateurs, ils suppriment carrément ce marché. Comme d'ici à 1980-81, ils seront pratiquement les seuls à vendre de l'uranium enrichi, eh bien ils proposent de tout miser sur les centrales atomiques qui fonctionnent justement avec cet uranium enrichi. Voilà comment, par un tour de passe-passe diplomatique, on devient à la fois le champion de la non-prolifération atomique, ce qui est bien, et le défenseur, le protecteur numéro un de l'industrie nucléaire américaine. Reste aux Français, s'ils veulent relever le défi américain, de réparer leur surrégénérateur Phoenix que voici. Car il est en panne, et pour encore plus d'un an. Et pourtant, il faut réussir à le vendre si on veut en rentabiliser le prix et les études. Thierry de Montbrial, vous êtes un spécialiste du nucléaire.
peut-on dire aujourd'hui que les Américains peuvent limiter la prolifération des armes nucléaires et qu'il n'est pas trop tard? Écoutez, je crois qu'il faut revenir à la déclaration du président Carter. Et dans cette déclaration, il y a deux points très importants. Le premier, c'est que le président des États-Unis reconnaît que l'énergie nucléaire est indispensable dans le bilan énergétique mondial. Et ceci doit être souligné. Et il dit que l'énergie nucléaire est même indispensable aux États-Unis, malgré le fait qu'ils possèdent du charbon et d'autres ressources. Et cette déclaration précise que, a fortiori, l'énergie nucléaire est indispensable pour les pays moins bien dotés, comme c'est le cas de la France. Alors ça, c'est le premier point qu'il faut absolument souligner. Le deuxième point qui apparaît dans cette déclaration est une politique proprement américaine. Le président des États-Unis dit que ce pays cessera désormais, sine die, jusqu'à nouvel ordre, de pratiquer le retraitement des combustibles nucléaires. Retraitement qui, comme vous le savez, produit du plutonium qui lui-même peut servir à la fabrication des bombes atomiques. Et il déclare également que la commercialisation des surrégénérateurs est suspendue. Mais il s'agit bien, je le répète, d'une politique nationale américaine. Mais enfin, psychologiquement, on peut craindre qu'il y ait des réactions pour les autres pays qui ont adopté cette technique, la France en particulier. Oui, alors je crois justement que cette déclaration est faite de telle manière que les effets psychologiques soient limités. On invite les partenaires à en faire autant, non. Sans les y obliger. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Prenons, si vous voulez, le cas de la France. La France, pays qui dépend pour 80% de l'extérieur en matière de ressources énergétiques, contre 20% d'ailleurs pour les États-Unis, ne peut pas faire l'économie, ne peut pas se passer de l'énergie nucléaire. Et je crois que les États-Unis le reconnaissent. Nous ne pouvons pas non plus nous passer du retraitement. Et ceci se comprend très aisément. Le retraitement, d'abord, c'est une économie d'uranium. C'est une économie de combustible. Or, les États-Unis, par exemple, ont 45% des réserves prouvées d'uranium. Nous n'en avons que 4%. Deuxièmement, le retraitement permet de stocker les déchets, qui, comme vous le savez, sont assez dangereux. Et pour nous, ce retraitement est absolument essentiel parce que nous n'avons pas le territoire des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de facilité que nous pour stocker ces déchets. Par conséquent, le retraitement pour un pays comme la France doit être poursuivi, ce qui n'empêche que des mesures doivent être prises pour éviter la prolifération des armes nucléaires. Donc relativement, vous êtes optimiste, ce n'est pas, comme on a pu le dire, psychologiquement une nouvelle affaire Concorde. Non, non, je crois vraiment que ce n'est absolument pas une nouvelle affaire Concorde. Je suis optimiste, mais naturellement, il faudra être vigilant. Un document dans le prochain numéro de l'Express, la lettre que François Giroud apporte en réponse à ceux qui lui ont reproché de porter, vous le savez, la médaille de la Résistance. Elle est datée, cette lettre, du 18 septembre 1945. Elle est signée du ministre de l'Intérieur de l'époque. Elle est adressée à la mère de Madame Giroud. Elle atteste que l'ancien ministre de la Culture a bien été décoré, au même titre que sa sœur. Commentaire désabusé de Madame Giroud. On sait que la calomnie fait partie de l'arsenal des politiques. Il aura fallu près de 3 ans pour que le mal commence à être réparé dans la baie d'Otranto en Italie. C'est une affaire dont nous vous avons déjà parlé. Les premiers fûts de plomb tétraéthyle sont actuellement remontés par 95 mètres de profondeur. L'épave du cargo qui a coulé en juillet 1974 en contient 250 tonnes. Voici le premier baril de plomb tétraéthyle repêché du fond de la mer au large d'Otranto. C'est le premier, mais il y en a encore 908, soit un total de 250 tonnes de plomb tétraéthyle à 95 mètres de profondeur. La manipulation des barils est extrêmement délicate et périlleuse. Il faut les remonter un par un et voir à chaque fois si le baril est encore en bon état. Une fuite du liquide, une évaporation, et c'est un risque d'empoisonnement pour les techniciens. C'est la première fois qu'on essaie de récupérer du plomb tétraéthyle du fond de la mer. C'est une opération qui n'a absolument pas de précédent. Il a fallu par conséquent improviser, avec évidemment tous les dangers que cela comporte. Il suffit de préciser que si jamais un seul baril de plomb tétraéthyle est endommagé avant, pendant ou après l'opération de récupération, il peut y avoir une véritable catastrophe. Les barils sont répandus au fond de la mer, sur un rayon de 300 mètres et en 170 points différents. Il faut les repérer au milieu d'un amoncellement de ferrailles et de câbles, sans jamais savoir avec certitude si l'un des barils n'est pas endommagé.
Mais jusqu'au moment, ce que nous avons vu dans le fond, il n'y en a pas qui sont endommagés. Et nous ne savons pas parce qu'il faut attendre quand ils viendront à la surface, parce que naturellement, c'est très difficile de voir exactement ce qu'est-ce qu'il y a au fond, parce que tous les bidons sont couverts par des feuilles de végétation. Les hommes grenouilles sont isolés dans une chambre de décompression. Toutes les manœuvres sont télécommandées. On travaille pratiquement jour et nuit. On espère récupérer une quinzaine de barils par jour. Il faudra sans doute 2 mois et demi pour repêcher tous les barils et faire en sorte que les risques d'une catastrophe écologique soient complètement écartés. Il y a des légèretés qui coûtent cher. Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, en fait en ce moment la cruelle expérience. Vous savez qu'au terme de la législation d'Israël, les Israéliens n'ont pas le droit d'avoir de compte bancaire à l'étranger. Monsieur Rabin et son épouse avaient oublié de rapatrier les 20 000 dollars qu'ils avaient laissés dans une banque américaine. Le premier ministre israélien prend aujourd'hui ses responsabilités. Il ne dirigera pas le parti travailliste aux prochaines élections, mais surtout, il quittera le gouvernement qu'il dirige dès que la Constitution le lui permettra. Monsieur Rabin l'a annoncé lui-même à la télévision, il avait le cœur lourd, il le dit, sa carrière politique est terminée. J'ai le cœur lourd, je crois que c'est une fin bien pénible pour ma carrière. C'est par ces mots prononcés hier soir au cours d'une dramatique intervention télévisée et reproduite aujourd'hui dans toute la presse israélienne que le Premier ministre, M. Rabin, a annoncé qu'il quittait ses fonctions de chef du Parti travailliste et qu'il souhaitait également abandonner son poste de Premier ministre. C'est vrai, a-t-il dit, ma femme et moi avons gardé un compte en banque aux États-Unis, ce qui est interdit par la loi israélienne. Mon épouse n'est pas plus responsable que moi, a ajouté M. Rabin, et je me soumettrai à toutes les enquêtes, toutes les poursuites judiciaires qui pourraient être entreprises. Et pourtant, il y a 2 mois à peine, Yitzhak Rabin était désigné de justesse, mais désigné tout de même pour mener la coalition travailliste aux élections qui doivent avoir lieu en mai. Toute la stratégie de son parti est donc à revoir, et la guerre entre ses successeurs, messieurs Alon et monsieur Pérez, est déjà ouverte. Avant d'être un homme politique, Yitzhak Rabin fut d'abord un grand chef militaire. En 1967, quand survient la guerre des six jours, il est chef d'état-major des armées, après avoir participé au combat de la Deuxième Guerre mondiale et à la guerre d'indépendance en 1948. Cette victoire dans la guerre des six jours lui vaut une ambassade, la plus importante pour Israël, Washington, où on le voit ici en compagnie de messieurs Richard Nixon et Moshe Dayan. 1973, la guerre du Kippour provoque le départ de Madame Golda Meir. Pour la remplacer, son parti cherche un homme neuf, ce sera Yitzhak Rabin. C'est lui qui signera avec l'Égypte et la Syrie les accords de désengagement militaire. Succès diplomatique donc, mais échec dans sa politique intérieure, avec ces 2 dernières années plusieurs scandales mettant en cause des personnalités de son parti, le dernier provoquant son propre départ. Des consultations très fiévreuses se sont ouvertes aujourd'hui en Israël au sein du Parti travailliste. 2 hommes sont bien placés pour la succession de M. Rabin, Yigal Alon, le ministre des Affaires étrangères, et Shimon Peres, celui de la Défense. Cet homme qui s'en va a plongé quelques instants plus tôt son pays dans la stupeur. D'un ton pathétique, avec une émotion rapidement partagée par tous ceux qui l'ont entendu et surtout vu, il a annoncé qu'il renonçait aux charges suprêmes qui étaient les siennes et qu'il se mettait à la disposition de la justice, pour répondre d'une atteinte que son épouse avait portée à la législation sur le contrôle des changes. En accomplissant un geste devenu inévitable dès lors que la justice était saisie, Yitzhak Rabin plongeait à 39 jours des élections générales tous les partis politiques dans la perplexité. Et d'abord le sien, le Parti travailliste, qui devra dimanche prochain lui désigner un successeur. 2 concurrents s'affrontent. Shimon Peres, ministre de la Défense, que Rabin n'a dépassé que de 41 voix au congrès du parti qui a choisi son leader, semble avoir le plus de chance. Yigal Alon, ministre des Affaires étrangères, est aussi candidat, mais dispose d'un appui insuffisant avec la seule aile gauche du parti. Quelle que soit la décision qui sera prise après-demain, elle devra avant tout permettre de sortir le pays de l'impasse où l'a entraîné le brusque départ de Rabin.
Quant aux répercussions de cette crise sur le conflit israélo-arabe, elles ne semblent pas devoir être notables. Un consensus national ne laissant en effet qu'une faible marge aux différences d'opinion parmi les Israéliens. On peut se demander quand même si cette crise tombe bien au moment où les diplomates s'efforcent de remettre sur les rails la conférence de Genève. Le séjour à Moscou de Yasser Arafat à cet égard n'était pas gratuit, pas plus que l'entrevue en tête-à-tête qu'il a eue avec Leonid Brejnev. La télévision soviétique a insisté sur cet événement et c'est un signe, c'est une date d'ailleurs dans les relations soviéto-palestiniennes. Moscou confirme Yasser Arafat dans son rôle de leader, mais du même coup les soviétiques rappellent qu'ils sont coprésidents de la conférence de Genève sur le Proche-Orient et qu'aucune évolution diplomatique donc ne se fera sans eux. À Washington, le président Sadat n'a pas obtenu de Jimmy Carter un engagement précis sur la cause palestinienne. Les présidents égyptiens et américains ont même fait mine d'oublier l'Union soviétique. Et bien aujourd'hui, celle-ci les rappelle à l'ordre. La princesse Anne d'Angleterre, inscrite au carnet rose. Les Anglais ont appris aujourd'hui qu'elle attend en effet un heureux événement. La naissance est annoncée pour le mois de novembre. Si tout va bien, ce sera peut-être un Sagittaire, comme Churchill, à la condition, bien sûr, qu'il naisse à la fin du mois de novembre. La princesse Anne aura 27 ans le 15 août prochain. Elle passe en ce moment le week-end de Pâques en compagnie de son mari, le capitaine Mark Phillips. On s'est empressé aussitôt de téléphoner à la reine Elisabeth la bonne nouvelle. Il y a 15 jours de cela, elle était alors en Australie. Il n'est pas facile, décidément, de jouer la carte de la création à la télévision. Claude Santelli proposait hier soir sur Antenne 2 une très belle évocation du Front populaire. C'est du moins notre avis et je crois que nous ne sommes pas les seuls. Si l'on en croit les sondages, 6% seulement des Français ont suivi cette émission. Alors cela peut surprendre dans un pays où on a quand même voté à plus de la moitié pour l'opposition. Quelle conclusion en tirez-vous? Est-ce que en matière de création, il y a des limites et des secteurs privilégiés? Oui, c'est très difficile. Ce qui m'ennuie, bien sûr, ce serait dans le cas où nos directeurs en concluraient une fois de plus que décidément le documentaire, comme on dit, est toujours rejeté par le public et risquerait d'en faire de moins en moins. Il y a déjà si peu de choses que l'on peut faire. Et qu'il vaut mieux programmer, comme sur l'autre chaîne, un film aussi beau. Il faut dire qu'il y a un film très prestigieux, qui est le film de Robert Enrico, qui a été un film célèbre, qui a eu un film qui a eu beaucoup de récompenses. Donc c'est peut-être une espèce de concurrence déloyale. Je veux dire, je n'attaque pas ici, nous savons qu'il y a trois chaînes, il est tout à fait normal que chaque chaîne essaie de promouvoir un spectacle qui attire le public. Mais je pense qu'il est un peu dommage. Je ne dis pas ça tristement, il est un peu dommage qu'un sujet aussi important, non pas parce que j'y ai touché, mais parce que justement je viens d'y vivre pendant des mois, parce que tellement de gens m'ont dit qu'ils y avaient appris quelque chose, parce que ce souvenir de 36, c'est une chose qui nous touche tous, même au-delà de la politique, je crois qu'il y a une espèce de grande tradition humaine, sensible, émotionnelle, je dirais. Mais vous l'avez fait aussi peut-être pour vous faire un peu plaisir. Bien sûr. Pour moi, ce sont de grands souvenirs d'enfance. C'est l'idée du passage de l'enfance à l'adolescence. Et j'ai vécu cela d'une façon très, très intense, je crois. L'Humanité écrivait ce matin que c'est un film utile pour la poursuite du débat au sein de l'Union de la gauche en 1977. À votre avis, quel profit l'opposition peut en tirer? Écoutez, je pense, moi j'ai des ambitions extrêmement modestes, j'ai surtout essayé de dire ce que j'avais moi ressenti, d'essayer de retrouver des choses précises et d'essayer un petit peu d'instruire les jeunes d'aujourd'hui. Il m'est arrivé par exemple de projeter ce film devant 300 lycéens, lycéens de terminale, pas des enfants. Et à la fin de cette projection, j'ai demandé à ces gens qui étaient visiblement passionnés, ces mômes, enfin ces jeunes gens, qui avaient entendu parler du congrès de Tours et de la scission du Parti Socialiste Communiste. Il y a eu 15 mains qui se sont levées dans la salle. C'est donc, je pense, très important pour tout le monde, très important pour la gauche de demain, très important pour le citoyen français, qu'on lui redise un petit peu pourquoi il y a eu cette blessure, pourquoi il y a eu cette désunion, pourquoi cette union est sans doute si difficile à faire. De ce côté-là, peut-être que éclairer les Français, les faire se poser des questions sur un Front populaire de 1936 qui est né d'une certaine manière, qui s'est désagrégé d'une certaine manière, qui a été en but à tellement d'attaques diverses. Je crois que c'est important pour les fronts populaires, disons, dans le monde entier, qui risquent d'apparaître un jour ou l'autre. Et les leaders de l'opposition que vous avez rencontrés, nombreux d'ailleurs, pour faire ce film, eux, en ont tiré une leçon? Je pense, oui. Il y a une chose qui frappe quand on écoute aujourd'hui Blum, quand on écoute le retentissement, ce que disait Charles-André Julien, mon professeur, qui est un homme admirable, qui a revécu, il a 85 ans aujourd'hui, mais il a revécu avec la même jeunesse ce qu'il avait vécu en 34 et en 36. Je crois qu'il y a peut-être un type d'homme de gauche passionné, ayant son cœur toujours présent dans ses discours, un type de socialisme humaniste, lyrique, disons, utopique, dont peut-être certains hommes de gauche aujourd'hui se méfient un peu. Il serait dommage
dommage que la gauche perde, je crois, ce lyrisme, cette chaleur, cette générosité, cet enthousiasme qui existait. De ce côté-là, je pense, c'est un peu la réaction de Michel Rocard ou de François Mitterrand que j'ai pu consulter à ce sujet à propos de l'émission. Ils pensent qu'aujourd'hui, sans doute, la gauche a gagné en compétences, a gagné en connaissances, en études. Là. Disons que le bagage économique et financier, par exemple, de Blum et autour de lui, était peut-être un peu léger. C'était une autre époque aussi. Mais il ne faudrait pas perdre, je crois, encore une fois, cette foi, enfin cette espèce de joie extraordinaire, de fraternité étonnante qui apparaissait dans ces documents inédits, d'ailleurs je le souligne, que j'ai pu mettre dans ce film qu'on a vu hier soir, ce 14 juillet 1936, qui est une espèce de fête populaire, une kermesse extraordinaire. Je vous remercie Claude Santelier, j'espère que nous aurons contribué à donner quelques regrets aux téléspectateurs qui n'ont pas eu la bonne idée de regarder cette émission hier soir. Les spécialistes de la météorologie avaient vu juste, ils nous annonçaient hier des températures plus froides encore pour aujourd'hui, et bien c'est le cas, et je peux même vous garantir que vos vacances pascales risquent de ne pas se dérouler sous le signe du soleil et du beau temps. Bien sûr, il ne faut pas généraliser, il paraît qu'il a fait presque chaud quand même sur la côte méditerranéenne aujourd'hui. Les images que nous recevons de Clermont-Ferrand, vous l'avouerez, ne sont quand même pas de saison. Depuis hier soir, la neige est tombée à Montauban, sur le centre de la France, pas à Montauban, mais à Clermont-Ferrand, sur le centre de la France, sur les Alpes aussi. Les skieurs, eux, ne s'en plaindront pas. Pour l'instant, pas de problème trop grave de circulation, mais soyez quand même prudents, car au-dessous de 800 mètres, la neige, paraît-il, tient bon. Prévision pour demain, des nuages abondants en Bretagne et en Normandie. Les températures devraient tout de même remonter dans ces deux régions. Beaucoup d'éclaircies ailleurs, mais il faut craindre là de nouvelles gelées matinales dans l'intérieur du pays. Et puis si vous devez prendre la route, je vous rappelle qu'il faut éviter la tranche de 6h à 12h qui risque d'être très encombrée. À 23h, le journal de Gérard Holtz. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis si vous le voulez, on se retrouve demain à 12h30 dans un décor assez champêtre puisque samedi et demi sera réalisé demain et consacré aux vacances à la ferme sur des images comme celle-ci qui peut-être vous inciteront à passer de bonnes vacances.